Sur le plateau Espérance TV et aussi sur les ondes d'Espérance FM le 91.6 pour nous présenter l'émission Tala Anticosé et nous prenons plaisir pour nous partager parole et puis demander le Saint-Esprit de guider nous, conduire nous, enseigner nous, convaincre nous pour nous avancer. C'est un plaisir pour nous ouvrir la Bible en disant le livre des Hébreux, et c'est là nous avons l'amour de Dieu pour l'humanité, manière Christ placé pour montrer nous que toute attention nous ou porter vers le Christ, et ça a montré nous aussi que nous avons arrivé presque à la fin du livre là, peut-être sans livre nous avons chimérique d'y abandonner. En tout cas, c'est un plaisir d'y féliciter toute l'équipe qui est au grand complet, à la technique là, et puis qui a fait un travail remarquable. M'en les saluer aussi. Et les trois champs, Guadeloupe, Martinique, et puis Guyane, et puis faire un petit coucou à côté Saint-Martin, Miami, et Haïti, et puis Dominique, Sainte-Lucie, nous avons dit que nous avons bien continué. Et puis merci pour l'encouragement, vous avez envoyé Gracien, les techniciens, pour l'émission. Gracien, bienvenue, moi en forme là, on mettait des chemises roses, qui a flambé. Eh bien, moi toujours en forme, c'est la grâce de mon Dieu. Moi, les saluer tous les téléspectateurs. Et puis, il y a un petit mot spécial, particulier. Peut-être vous regardez l'émission, vous regardez l'émission là, et puis vous couchez, et puis vous malade. Mm-hmm. Dans caillou, ou bien dans un centre, et vous avez une chance de voir l'émission qui a passé. Moi, les deux, pas découragé, pas perdre courage. Parce que bon Dieu dit la guérison sans les alliés, c'est lui qui a porté la guérison. Maintenant, continuez, espérez, et puis prends courage. Et puis tout ça qui perdit en être cher, je dis aux condoléances, et puis plus force en Jésus, car ils nous savent c'est lui qui est venu pour ouvrir les tombes, et puis riba nous, famille nous qui mort, pour nous faire ça, participer à dans la joie. Donc courage pour tout le monde, et puis bon plaisir pour étudier parole. Oui, alors, belle passage, je vais profiter de faire un petit coucou à Bruno. Et puis faire Jules Philippe, hein? Oui. Philippe Bruno qui remplaçait nous pendant le moment où nous n'avons pas exercé. Mm-hmm. Et nous étions malades, nous étions touchés. Mm-hmm. Mais nous avons dit gloire à Dieu, merci pour le travail que nous faisons. Oui, absolument. Et puis à présent, nous savons que nous avons des gens là pour remplacer. Pour nous faire nous avons mixé. Nous n'avons pas qu'à prier pour nous malades, mais nous savons que. Mais non, nous avons mixé. En tout cas, alors nous avons abordé. Et en l'autre thématique, hein, Gracien. Mm-hmm. Alors, Jésus, chef et consommateur, dit la foi nous. Mm-hmm. Alors, je vais prier, puis nous allons commencer. Mm-hmm. Papa Dieu, nous allons remercier pour l'opportunité, nous, et puis l'occasion d'ouvrir la Bible. Yes. C'est un plaisir pour nous, mais c'est une bénédiction pour nous, et puis tout le monde qui a écouté et puis gardé l'émission. Mm-hmm. Quittez le Saint-Esprit, guidez-nous, convainc-nous. Conduis-nous, on dit, dans toute la vérité. Mm-hmm. Et puis, pour nous faire accepter Jésus, on dit, dans tiens, nous plaignons. Et puis, ça y fait, bah, nous, on est qu'à représenter nous, on dit, dans ce sanctuaire-là. Eh bien, bientôt, il va y virer. Puis, pour nous, et puis, eh bien, c'est ça, nous, qu'on espère en nom Jésus. Amen. Amen. Alors, texte de base, là, Gracia, qu'a trouvé quoi, on dit, dans Hébreux 12, verset 2. Oui. Alors, texte-là, qu'a dit, nous, ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mm-hmm. Oui, ça sent bel texte, hein? Ça sent bel texte, qui a battu et l'espérance, et puis qui a montré nous que, nous en sommes là, qui a représenté nous là, il est assis à la droite de Dieu. Oui. Donc, il a battu nous manière pour nous courir. Il a dit nous, ayez regard nous en l'air, le but suprême, en l'air, l'objectif suprême, en l'air, maintenant Jésus qui chef nous. Qui chef nous. Ah, ça, c'est ça, Ben. Alors, et probablement, il a dit comme ça, deux chapitres, c'est le plus apprécié, en dit dans Hébreu, c'est chapitre 11 et 12. Ah oui, chapitre 11 et puis 12, qui a démontré nous, maintenant, tout ça qui passe avant nous, foyer.
hein, et nous n'y appuyer là. Et puis chapitre 12, qui a dit nous, il a porté nous que Jésus a traversé toutes ces bagages là, et il a la ligne d'arrivée, 3-9 adressé, et puis il a attendu nous pour nous récompenser là. Oui, oui, et il a démontré que c'est... Le chemin de la vie chrétienne. La vie chrétienne qui compte en course. Qui compte en course. Parce que, le nous a dit, en Timothée 6, verset 12, on a dit... Combat, le bon combat de la foi. Le combat de la foi saisit la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et là, il a dit, je cours, hein, non pas pour battre l'air, je cours non pas à l'aventure, mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi je mets tout en arrière, je regarde toutes choses comme derrière moi et en avant tout, et puis Jésus. Oui. Et c'est ça. Alors nous, ça ne pousse là pas fini, puisque nous prenons l'air et nous avançons. Et c'est ensemble, nous allons faire la finalité, le bouquet final, et puis tout ça qui persévérait dans les épreuves et qui remportait la victoire grâce à Jésus. Alors, en qui ça? Juste là, qu'ils vivent par la foi. Ah oui. Ah oui, nous allons. Juste c'est qui ça? Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Voilà, nous allons. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il s'en retire, mon âme n'a pas de plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi, verset 39, pour sauver leur âme. Oui, là où on a regardé ce passage de la grâce, oui, et son exhortation, un encouragement. Oui. Et puisqu'il a commencé, il a dit comme ça, pas abandonner l'assemblée. L'assurance. Hein? L'assurance et à laquelle nous attachons en grande récompense. Oui. Et puis il a dit comme ça que nous bousons persévérance. Oui. Mon texte là, qui a collé et puis la situation aujourd'hui et puis peuple Dieu. Et puis la situation aujourd'hui. Il y a le monde qui a abandonné. Nous avons vécu exactement l'expérience de Moïse monté 40 jour en les montagnes, et puis le peuple en bas, il dit Moïse, mort, Moïse finit, ça Moïse qui nous a fait sortir, nous ne pas savons qui ça est venu. Jésus vini, il mort, ben nous, il montait. Il dit nous, il cave, il est venu, puis il prend nous. Maintenant, nous besoin patience, assurance et puis persévérance pour nous endurer jusqu'à la fin. Mais nous avons l'autre qui a découragé, qui a baissé les bras et puis qui a abandonné, qui a apostasie. C'est alors, pas... si on a abandonné, c'est par rapport aux épreuves, par rapport aux tribulations, tout cela. Oui. Mais il texte-là dit de quoi fortifier nous, puisque qu'il y a nous comme ça, et mon juste... Vivra par la foi. Par la foi. Par la pas foi. Pas obligé par la vue. Non, par la foi. Par la foi. C'est-à-dire, le juste qui vit, et puis les yeux de la foi. Les yeux de la foi, c'est ça qui rend visible à nous, ça qui est normalement invisible. Oui, alors là, on va parler de le juste. Le juste. Et un juste, c'est qui ça? À quel moment on va venir juste? Un juste, c'est un monde qui reconnaît qu'il péchait. Et puis face à la proposition de Dieu, il croit, il vient, et puis quitte Jésus-Christ, fait ça en disant la vie. C'est ça qui déclare juste. Oui, parce que déclaration juste. De juste là, j'ai proclamé. Parce que Jésus, maintenant, ça a offert quoi, même avant nous tenir, pour déclaration t'as là, la fête. Mais rentrer en possession de déclaration t'as là, leur fait l'acte de foi ou accepter Jésus comme sauveur. Ça très bien, ça très bien. Alors, on nous prend et deux déclarations, dit Paul, hein, Romains 1, verset 17, et puis Romains 1, verset 16 et puis 17, cadeau, oui. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car en lui est révélée la justice de Dieu manifestée et qui s'obtient par la foi selon qu'il est écrit, la juste, verset 17, oui. Vivra par la foi. Oui, alors, Banou Galates 3, verset 11, et nous quoi, ouais, c'est parallèle là, dans ce texte-là qui a montré nous que Paul n'y a pas ouais, dans l'épître aux Hébreux, parce qu'il y a une similitude dans les phrases qu'il a présentées, les exhortations, tout ça.
Galates 3, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Oui, c'est par la foi nous sauver, par le moyen, et c'est par grâce, par grâce le moyen nous sauver, de la foi. Oui, Éphésiens 2, verset 8, oui. Hein, « Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, qui définition gracien et de la foi que Hébreu Cabanon et qui ça ces grands hommes et femmes de la Bible là et ils ont fait pour démontrer la foi. Alors regarde Hébreu 11:1. Or c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis, qu'à la foi, et puis qu'à nous aussi, sans la foi, il est donc impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est capable de récompenser celui qui le cherche. Et qu'à bord maintenant la suite des hommes de foi. Alors, nous voyons que. Ça fait ma science. Oui. Dit. Chose ou qu'a espéré, sans qu'a espéré ou pas qu'a way, mais parce que ou qu'a quoi ou qu'a espéré avec persévérance, c'est ça un homme Paul qu'a synthétisé ben nous à sous la sous la sous le sujet. Nous ouais, on dit dans groupe c'est mon an nous en rapide en l'air là. Des fois yo quoi sans ouais, mais il y a donc qui manifeste des fois yo à travers les œuvres et ça extraordinaire. Alors on nous parlait dit c'est mon talent nous l'ilis la gracien. Et Hébreu chapitre 11, et à partir du verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu le témoignage favorable. 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste devant Dieu, approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut élevé sans qu'il vit la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable devant Dieu. Au verset 6, nous a lu, sans la foi, il est impossible. Verset 7, car c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse conduisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous restons là un moment. Yes. Et nous quoi parler de foi Abraham et comment foi absolue. Oui. Mais qui manière nous peut comprendre que il a présenté Abraham là comme le père de la foi. Eh bien, nous est Abraham menti comme un coup. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais, les erreurs humaines, erreurs humaines qui ont été des erreurs humaines, mais mon Dieu qui a gardé au-delà des erreurs, nous les humains, là, nous commettons faute, nous avons pointé du doigt jusqu'à la mort. Et puis nous avons laissé ça. Nous avons laissé ça. Et si maintenant, il y a une scission qui fait, nous n'avons pas cherché à réconcilier quoi nous, mais nous avons dit quoi changer. Et chaque fois que nous disons quoi changer, ça a tient, nous avons venu encore pire. Mais bon Dieu qui a gardé au-delà de cela, bon Dieu qui a oué, maintenant la personne humaine qui a oué à travers nos mains maintenant, procéder à même qui commettent l'erreur, mais maintenant, évidence là, il n'y a plus quoi à dans la parole de Dieu. Oui. Et c'est... Très bien. Nous ne pouvons pas parler d'Abraham, mais concernant nous et Gracien, puis monde qui a écouté, puis gardé. Alors, pour qui le fait de méditer à ce que mon Dieu fait, en dit dans la vie, nous, par le passé, ça si important
pour maintenir la foi. La foi et puis faire confiance jour le jour. Mais oui, parce que ça, mon Dieu, réalisé à dans la vie, c'est des tremplins pour permettre d'aller beaucoup plus loin. Et puis beaucoup plus loin pour expérimenter les choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas jamais venir ouvrier si on ne peut pas s'apprentir. Oui. Vous comprenez? On ne peut jamais venir ouvrier si on ne peut pas s'apprentir. Il faut tout apprendre. Là. Et l'athlète là ne peut jamais couronner s'il n'est pas pigé quoi, pour entraîner. Quoi. Donc, en un mot, on a une expérience. Une expérience à faire. Et Abraham fait expérience dans le bon Dieu. Mais quittez-moi d'où? Le bon Dieu promet Abraham un garçon, une postérité. Il dit qu'on s'en va tellement que l'étoile ciel là, super content, il compte. Bon, là il vient, bon Dieu, ben, garçon, Abraham commet l'erreur, puisqu'il fait oui. Ismaël, c'est pas tes plans, bon Dieu. Mais le bon Dieu dit, c'est pas garçon t'as là, mais c'est un garçon qui est sorti en disant, et puis en disant, maintenant, madame, vous-même, l'aide, ben, garçon. Les garçons ont 20 ans, bon Dieu dit, pour garçon. Et puis alors, le moment où je vais, et puis sacrifier-moi. Mi test, mi épreuve, mi épreuve. Abraham prend garçon, il partit, et puis, oui. Et puis tout bagaille, il prend du feu, il prend tout bagaille. Abraham croit, il partit. Mais la Bible a dit nous qu'Abraham croit seulement, il croit que même si tu es garçon, bon Dieu est capable de vivre, c'est ce que garçon, vieux bel garçon. C'est extraordinaire. C'est ça la foi. Ah, ça, c'est ouais, extraordinaire. Oui, déjà, l'invisible, ça ou pas qu'à web. C'est ça. Alors, on nous fait un bon en avant. Pouchi, il a dit que Moïse croit dans l'invisible. Alors, qui ça, ce nombre de fois tu as fait? Moïse quoi dans l'invisible, écoutez bien. Moïse leva dans le palais Pharaon. Il tenait tout ça, il était besoin. Il n'a pas besoin, en réalité, nous avons dit, à dans l'engagement, il n'a pas besoin. Bon Dieu a dans la vie, puis il a réussi la vie. D'accord? Puisque il tenait tout le savoir, tout. Mais. Et Moïse, c'est quand il est le futur Pharaon, le trône. C'était quand il est le futur Pharaon sur le trône. C'est pour ça que lui tenait tout ça, il était là, puis il a réussi la vie. Mais, toi, ouais, maintenant, mais. Là où il gardait souffrance peuple, il gardait, puis si l'éducation, maman, il n'a pas oublié, parce que c'est maman qui a l'éducation. Moïse prend résolution, il dit, maintenant, adieu la trône, adieu la gloire, mon cœur était solide, il dit, c'est frère, moi, qui a pas fait. Alors là, Moïse, a et l'action significative de Moïse, cependant, c'est qu'il refusait oui. D'être fils de la fille de Pharaon. Pharaon. Et puis, solidariser quoi. Et puis, les Hébreux. Aujourd'hui, je vous remercie, nous avons des opportunités qui apparaissent devant nous. Et par rapport à cela, nous avons oublié que le plus important, c'est où est déjà l'invisible, ça qui attend nous. C'est ça. Et puis, agir par la foi pour un travail, pour un poste, nous avons. Wenye la foi nous ca wenye bon Dieu nous ca wenye nous ca wenye des monde qui était fervent qui était solide qui tenait un ancrage solide et ben à présent il pas resté pièce base et puis il ca jic rejeté par le bon Dieu. C'est ça qui dommage. Puis c'est ça qui dommage. C'est pour ça faut nous toujours garder ouais verset à réciter hein, c'est le motif là toujours garder zio braché en le Jésus c'est lui qui chef là. Alors on nous prend des textes là rapidement qui point commun qui ni entre Hébreux 11 verset 24 27 et puis Hébreux 10 verset 32 à 35. Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24. Oui, nous allons ça rapidement. Oui, alors c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et nous dit Hébreux 10, verset... Hébreux 10, verset 32 à 35. Oui, alors, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé en spectacle aux opprobres de tribulation, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous auriez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, il y a une association et puis un lien et puis Moïse. Extraordinaire. Oui. Les petits passages sont là-bas, nous, la grandeur de Moïse résidait dans le fait qu'il fut capable de voir au-delà. La grandeur de Moïse résidait dans le fait qu'il fut capable de voir au-delà des promesses du roi d'Égypte pour
regarder vers l'invisible, à savoir les promesses de Dieu. Hébreu dit que la clé se situe dans le fait que la vue de Moïse était fixée sur la récompense et non sur les richesses de l'Égypte. Cette récompense est la même qui est mentionnée dans Hébreu 10, 35, que Dieu a promis à tous ceux qui croient en lui. Les paroles de Paul? Les paroles de Paul concernant la décision de Moïse a dû résonner fortement dans le cœur de ses premiers lecteurs. Ils avaient subi des reproches, des insultes à cause de leur foi en Christ. Ils avaient également été touchés et avaient perdu leurs biens. Certains étaient prisonniers en parallèle avec Moïse. Ils avaient choisi d'être maltraités et de rester du côté du peuple de Dieu et avaient changé la richesse d'Égypte pour, échangé les richesses de l'Égypte pour les insultes associées avec le Christ, car ils croyaient que la récompense du Christ était la plus grande que celle que pouvait offrir l'Égypte. Oui, alors nous pouvons y avoir des questions de réflexion personnel, bah, tout le monde. Mm-hmm. Alors, qui difficulté nous a rencontré à cause du foi, nous? C'est ça. Oui, ça, voilà. C'est des questions pour pousser dans la réflexion. Uh-huh. Et en qui ça nous t'est pour renoncer à cause du foi, nous? Oui. Et puis aussi, et pour tu en définitive, récompense là vaut plus qui peine dans nous subir, et même si nous ne pouvons pas oui, pour le moment présent. Oui, voilà, ça sonne une belle réflexion. Oui, ouais, dans l'invisible. Ouais, c'est ça. Alors, on nous parlait de Rahab, la foi de Rahab. Qui ça, un prostitué qu'on Rahab a fait en disant liste des hommes et des femmes de foi? Pas oublier, Jésus dit, les prostituées, quand ils devançaient un lot. Ça, c'est le premier texte que j'ai oublié, c'est ça. Un lot dans le royaume des cieux. Maintenant, ils ont pratiqué la prostitution. Mais ils n'ont pas qu'à rentrer dans le royaume en tant que prostituée. Oui, oui, oui. Mais tandis qu'ils étaient sur terre, ils ont touché. Ils ont peut-être pas vu la gloire de Dieu manifester contre les Israélites. Oui, mais ils ont tant parlé. Alors, là, quand on parle de Rahab, Rahab, ce n'est pas en Égyptienne. C'est un étranger. Ce n'est pas en Israélite. Il n'est pas où est manière bon Dieu ouvert la mer. Non, il n'est pas où est ça. Il n'est pas où est le bon Dieu fait pain sortir du ciel tombé. Il n'y a pas de sacrifice au Mont Sinaï, et pourtant, Rahab dit la foi. Et dit pour la foi, tu as la manière où peut expliquer nos foi Rahab? Oui, parce qu'il tonne le rapport des espions. Et il tonne, parce que le bouche à oreille, à l'époque, tu es allé vite. Le bouche à oreille, ouais, parce que pour côté ni des écrits manifestes, mais le bouche à oreille, là il tombe ça, et là il voit ses espions rentrer, il dit bon Dieu, c'est ce monde là qui vient là, c'est même bon Dieu qui tire en Égypte, qui paralyse l'Égypte là, c'est monde là, maintenant, il y a un terrain qui est à côté. Et puis, maintenant, acte de foi, il fait, c'est que. Il protège ses espions, hein? Fait yon parti par un autre côté. Les espions disent, nous allons remercier pour ça, on fait nous. Hein? Mais écoutez bien ça, mon cadeau là. Si vous voulez maintenant parmi les sauver, maintenant, prends fil rouge. Et puis, formez-vous, marie, et puis attendez-nous, là, nous allons vivre. Et c'est ça qu'il fait. Fil rouge, t'as là, le fil cramoisi, t'as là, il prend là, c'est un symbole. Oui, ouais. C'est un symbole du sang protecteur de Jésus qui a sauvé. Et c'est ainsi qu'il a développé foi. Oui, oui, oui. Alors, nous croyons que l'acte de foi de Rahab, oui. C'était ça, il était tonne. Oui. Ça, il était quoi? Et puis, obéit bien qu'il n'a pas vécu cette expérience-là. Oui, oui. Et la foi hein, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux, Romains chapitre 10, au verset 17. Hein. Oui, ça, oui. Tonne de la parole. Parce que c'est nous-mêmes. Nous venons longtemps après, nous pas oué manifestation dans le désert. Nous pas oué Jésus, on est la terre. Mais les évangiles rapportent nous, ça Jésus fait, et comment y a eu moi ben nous? Eh bien, donc là, nous lisons ça, nous disons Seigneur, moi qui ai la vie moi, parce que moi qui ai estimé que moi t'ai mérité le mort, ou prends condamnation moi, et puis ou ben moi la vie, eh bien, moi qui ai accepté, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, le texte là, en est passant les Josué, oui? Qui conduit le peuple à terre promise. Et puis tout de suite, il passait mais oui, c'est ça. Et pourtant, Dieu seul sait les exploits que Jésus réalise. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous pouvez lire un petit passage là-bas, nous? Et maman, t'es encore courir, nous? L'acte de foi de Rahab. OK.
l'acte de foi de Rahab, c'était ce qu'elle avait entendu, cru et obéi. Il pas croit seulement, mais il croit et puis il obéit. Bien qu'elle ne vit pas. Qu'elle ne le vit pas. Elle n'avait pas vu les plaies de l'Égypte ou la délivrance de la mer Rouge, ni l'eau coulée du rocher, ni le pain descendu du ciel. Et pourtant, elle avait cru. C'est un bon exemple pour les auditeurs hébreux qui n'avaient pas entendu Jésus prêcher, ne l'avaient pas vu faire de miracles. Et pour nous qui n'avons rien vu de tout cela non plus, Rahab était une prostituée qui vivait dans les murailles de Jéricho, elle cacha les épisodes, etc. Ça, on peut nous expliquer tout à l'heure là, grâce à sa gentillesse envers eux et à sa déclaration de foi en Dieu, les espions furent la promesse à Rahab. Nous avons fait un dernier point, c'est pour montrer que grâce, c'est important, l'oka quoi, l'oka tant de parole, bon Dieu, pour mettre en pratique et pour faire une expérience. Et puis, alors, on nous fait un dernier point là, Jésus. Chef et consommateur du foie, nous. Qui s'avère cet là qui montre nous fait. Hébreux 12, verset 1 à 3. Voilà, très bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous envole si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Qui ça a obéi du passage là? Est-il que le point culminant de l'exposé sur la foi arrive avec Jésus dans Hébreux. Nous voyons que l'auteur des Hébreux, Paul, il a commencé par Jésus et il a fini par Jésus. Exactement, exactement. Et il a dit que celui qui vous a fait la promesse ne va pas tarder. Paul a terminé et puis Jésus. Il a dit que Jésus, c'est le consommateur de la foi, de notre foi. C'est lui qui a purifié et qui a rendu parfait. En d'autres termes, en un, nous a dit d'abord, il est le seul qui a achevé la course au sens le plus complet du terme. Ce dont il est question dans le chapitre précédent n'ont pas encore atteint leur but parce qu'ils doivent courir toujours. Mais Jésus est entré dans le repos de Dieu au ciel et s'est assis à la droite du Père. Un jour, nous régnerons avec lui. Deuxièmement, c'est la vie parfaite de Jésus qui a permis qu'il se lance dans la course. Si Jésus n'était pas venu, la course pour tous aurait été vaine. Troisièmement, enfin, Jésus est la raison pour laquelle nous avons la foi. Très bien. Étant un avec Dieu, il a exprimé la fidélité de Dieu envers nous. Dieu n'a jamais abandonné ses efforts pour nous sauver. C'est pourquoi nous atteindrons la récompense à la fin si nous n'abandonnons pas. Jésus a couru avec patience, il est resté fidèle, même quand nous avons été infidèles, il demeure fidèle, notre foi n'est qu'une réponse à sa fidélité. Très bien, très bien. Et c'est là, quoi, en définitive, Jésus, c'est là, le consommateur de notre foi, parce qu'il est l'illustration parfaite de comment court la course de la foi. Exactement. Ça, important. Mon bail là, c'est vraiment un livre passionnant. Ah oui. Et nous qui avons commencé la course là, on ne nous pas arrêter, on ne nous pas abandonner, on ne nous pas quitter le doute en Paris de nous, mais nous bousons l'élément à la grâce, F-O-I. Oui, F-O-I. Et moi, je dis que rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Notre course débute au calvaire, à la croix. C'est à la croix que le chemin commence et partant de la route du calvaire, maintenant la destination c'est le ciel. Le ciel. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Ben nous, conclusion, on laisse ça. C'est à présent notre tour de courir. Nous ne pourrons jamais faire ce que Jésus a fait
par notre propre force, mais nous avons son exemple parfait sur les yeux. Et par la foi en lui, en gardant les yeux fixés sur lui comme d'autres avant nous, nous avançons donc par la foi, nous confions dans ses promesses, dans la promesse d'une grande récompense, les yeux fixés sur Jésus. Oui, c'est puis ça nous quoi qui était entendu dans et causé et nous quoi disent que en nous quitter nous à sous Jésus. Ça a commencé en dit dans tout plan ministère lui. Yes. Et bien il qui a accompli si pays qui restait à puis venir chercher nous pour nous pour vivre dans le royaume de Dieu et puis l'éternité dans l'amour, dans la fraternité et puis dans l'adoration. Qui bon Dieu bénit nous tous. Yes. Priez grâce. Papa Dieu, nous qui remercions. Ou dit nous, gardez yeux nous brachons alors que nous courons. Mais nous avons remarqué que yeux nous ni la si, ni la caillon dit d'un. Souple nous, Kamado. Quoi nous promettons à l'Apocalypse soit en colis pour moins de yeux nous, pour nous passer à ben nous médicaments là, c'est le Saint-Esprit qui caille donc, ben nous discernement pour nous considérer chimère et puis pour nous caouer Jésus en l'autre bout de chimère. Au papa, fais ça, ben nous. Lavez-y nous et puis l'Esprit Saint pour nous faire ça, continuer courir et puis joie et puis amour et puis patience parce que très bientôt, on va venir pour prendre nous en jour à la sécaille la joie pour nous sacher de Jésus en nous, pour nous dire merci. C'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen.